le président de la République. Je vais vous alerter sur les grands enjeux qui vous attendent dans le domaine de la protection et du bien-être de l'enfant. Votre arrivée à la magistrature suprême coïncide à l'élection de la Guinée par le système des Nations Unies au statut de pays pionnier pour lutter contre les violences faites aux enfants. Cela signifie tout simplement que notre pays est choisi pour faire partie des 27 pays dans le monde entier qui doivent conduire la phase pilote de la campagne de lutte contre les violences à l'encontre des enfants. J'arrive maintenant à nos doléances qui se résument en trois points essentiels. 1. Institutionnaliser le Parlement des enfants de Guinée par décret du président de la République en vue de faciliter la tenue de ces différentes sessions et de renouvellement du délai requis. 2. Soutenir davantage l'organisation du mois de l'enfant qui constitue une période de plaidoyer et de mobilisation sociale à travers un appui constant et conséquent. 3. Tenir compte de l'appellation de l'enfance dans la nomenclature gouvernementale. Il faut que